Salut madame la mini-boy. Allez, c'est parti. Ouais. Je suis près d'un lac, dans un petit chemin, en Bretagne. Et il pleuviote sur nous, la brume. Il est 21h. La vie est magnifique. Et là, je me balade. Je suis à pied. Yannick est là-bas, ma chienne. Et je suis là, je suis dans un flow total. La légèreté, la liberté, la simplicité, la... Ah, ce que c'est beau la vie. Ah, ce que c'est beau la vie, merci. Et c'est à ce moment-là où dans ma tête, bah, ça fuse. Et je fais un ping-pong entre ça fuse dans ma tête, plein d'idées en tous les sens, de tous les sujets que tu veux au monde. Ça descend dans mon cœur et j'ai plein de sentiments avec le cœur. Et de... Tu regardes ça là. Waouh, c'est beau. Waouh, c'est beau les plantes. Waouh, c'est beau. Ça partit dans ma tête, dans mon cœur. Et je fais ça tout le temps. Et puis pendant une heure, deux heures que je me balade, bah je vais traverser plein de choses, plein de cycles, plein d'émotions, plein de trucs. Et je kiffe, je surkiffe faire ça. Et je réalise qu'en fait, c'est une de mes choses préférées. C'est vraiment un des trucs que j'aime le plus au monde à faire. Et je dis en fait, mais il me le faut tous les jours. Voilà, donc tous les soirs, quand je peux, au mieux que je peux, et c'est dès que je le fais, je suis trop content. Mais quand j'arrive pas, ben, je suis un petit peu moins content. Et ben, c'est me l'offrir. C'est de prendre ce temps, d'aller pendant deux heures, une heure, deux heures, je sais pas quoi, un laps de temps, un box de ma vie, un petit carré sur mon calendrier, de prendre ce temps pour aller bah faire ça, faire ce que moi j'aime vraiment faire. Donc toi, je sais pas ce que t'aimes vraiment faire, mais prends ce temps. Quand tu prends ce temps, voilà, la conclusion c'est ça. C'est quand tu prends ce temps pour toi, que tu te l'autorises, que tu te le permets, que tu l'inscris dans ton quotidien, donc que vraiment tu fasses ce que tu sais te fait vraiment du bien, et ben il y a des choses qui se passent. Voilà, tu passes, techniquement parlant, tu passes juste plus de temps dans ton kiff, plus de temps dans ton excitation, dans ce qui te remplit. Et moi je pense que quand on est dans cet état, quand tu passes par cette vibration, ah je kiffe, etc., ben, il y a plein de choses qui évoluent pour toi, il y a plein de choses qui se passent, tu as des idées, tu as des choses, c'est comme si la magie prenait place, tout s'amplifier quand tu étais dans ça. Donc plus tu passes de temps, c'est une équation qu'il faudrait écrire au tableau, plus tu passes de temps dans ton kiff, plus les choses viennent à toi, plus les réponses arrivent, plus tout coule de source. Tout ce que tu as à faire, c'est de continuer toi. Clac, 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 clac. Bah avancer au chemin de ta vie. Alors ça, t'es pas obligé de marcher vraiment. Ça se trouve tu peux être assis méditer. Donc je veux pas que le mouvement soit forcément une implication. Même si moi, j'ai envie de dire bah ouais, dans la matière, quitte à avoir un jeu infini qui va partout, bah autant se déplacer pour aller voir ce qu'il y a là-bas, ce qu'il y a au-dessus, etc. Va explorer la map du monde et va voir ce qui se passe pour toi quand t'es là. Viens sur ce chemin, viens te balader un soir sous la pluie et vois-toi ce qui va se passer pour toi. Et il y aura des choses formidables, mais qui ne vont répondre qu'à tes besoins à toi. Donc voilà, peu importe ce que tu veux faire, fais-le. C'est la conclusion. Ciao!